Eh ben les mecs, on n'est pas au bout de nos peines. Bonjour, bonjour, ici As2, j'espère que ça va. Moi ça va. J'ai pris des petites minutes, un petit quart d'heure, je ne sais plus exactement. Tout d'abord, je nous ai fait deux tanks en plus, ici en bas, par rapport à l'épisode d'hier. On peut pas en faire plus parce que j'arrive à mon autoroute, si on regarde un petit peu. Halte, là. Regardez, là ici mes tanks, ils arrivent quasiment à l'autoroute. Donc on n'ira pas plus bas, je pense qu'on pourra en mettre ici quelques-uns. Également des tanks ou de l'autre côté, on verra, on avisera. Aujourd'hui, alors comme vous pouvez le voir, déjà j'ai trouvé un outil assez sympa. Ça, je vous l'ai déjà montré, il me semble. Mais en gros, en faisant CTRL F, je peux chercher un truc et ça va être vachement utile. Aujourd'hui, on va avoir besoin de... Donc on est toujours sur la fabrication de nos potions. On va avoir besoin de gold plates. Pour les gold plates, il faut de la chlorine, c'est ce qu'on a fait. Ou qu'on était sur le point de faire. Je pense qu'on va faire une petite pause quand même, quelques épisodes sur les gaz et liquides, parce que vous en avez bouffé pas mal ces derniers jours. Mais on a besoin de gold ore pour faire ça. Et pour faire du gold ore, il nous faut de l'électrum. Donc c'est soit du silver, soit du gold ore. Mais pour faire du silver ou du gold ore, j'en ai chié pour comprendre, mais en gros, silver ore, voilà, c'est ça. Donc c'est pour faire des plaques... Non, attendez, ça c'est plaque de lead. Attendez, je sais plus comment j'en suis arrivé à cette conclusion. Electrum. C'était ça. On devait faire du gold alloy plate. Non, comment j'en suis arrivé à la conclusion de... Bref, attendez, si je fais CTRL F, ici je fais du iron... Du silver ore. Silver ore. En cliquant dessus, ça va me montrer... Ici, dans quoi est-ce qu'il est ingrédient, mais dans quoi, qu'est-ce qui permet de le produire. Alors, Advanced Lead Processing, il nous faut le Lead Processing, Advanced Lead Processing with Silver Ore. Attendez. Located behind Hydro Refining, Chemical Refining, Thermal Refining. On va essayer de... Attendez, est-ce que je peux faire la recherche Thermal Refining, déjà. Thermal Refining. C'est ça, non, ouais, vous voyez que ça, on n'y est pas encore. Ok, ensuite, silver ore, je suppose que ça a même pour l'hydro refining, ou le chemical. Bon, on va regarder chemical et hydro. Alors, chemical, refining. Non, alors si je tape les deux, ça me met comme si c'était un ou entre les deux. Chemical plants, chemical processed, advanced chemistry, chemical refining. Il nous faut les potions bleues, donc c'est pas ça. Ensuite, il y avait le thermal, c'était le hydro refining. Hydro refining. Eh ben ça, écoutez, on peut le faire. Et ça nous permet de produire... J'ai l'impression que c'est du silver, mais c'est du... On doit produire des chunks. Ah, j'ai l'impression qu'on va pouvoir le faire. Bah écoutez, on va lancer cette recherche. Alors moi, j'étais parti sur autre chose avec les filtres à charbon. Ça avait l'air d'être un bordel. Comment j'ai ouvert ça? Ion Cannon Details, Number Ion Cannon in Orbit. Comment j'ai ouvert ça, moi? J'ai pressé quoi? Number of Iron Cannon Ready to Fire. J'ai ouvert un... Qu'est-ce que j'ai pressé pour ouvrir ça? Je presse tous les boutons hein, pour voir. Ion Cannon Details, mais je m'en branle. Ferme-la. C'est pas ça. Ça, je sais pas ce que ça fait. Ça fait rien. Ion Cannon Details. Hein? Oh, please, non, me dis pas que je vais avoir de la merde qui va traîner sur mon écran jusqu'à là. Pendant 10 jours, le temps que vous me disiez ce qu'il faut que je fasse. Pour le virer. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est une recherche que j'ai terminée? Je ne pense pas. Bref, pour le moment, c'est pas grave, on va le laisser là. Entre-temps, j'ai également fini une autre recherche, qui est la recherche des systèmes logiques. Alors, on va pouvoir enfin faire des systèmes logiques. J'en ai fait très peu... Ah ouais, non, d'accord. Ok, j'ai rien dit, on va pas pouvoir faire des systèmes logiques parce qu'il nous manque des insulated wire. Comment on fait ça? Insulated wire. Il me faut du rubber. Comment je fais du rubber? Rubber avec de la résine. Oh, mais d'accord, mais attendez, c'est parce que j'ai pas de bois sur moi, c'est ça? Mais si, j'ai du bois sur moi. Rubber. Ça se fait dans quoi? Ah, ça se cuit. Ok, faut cuire du bois.
J'ai un four sur moi? J'ai pas de four sur moi. Si, j'ai un four, four en acier sur moi. Tiens, hop. J'ai un petit peu de bois à te mettre. Et si je cuis... Non, c'est cuire quoi? Ouais, bah, cuire de la résine. C'est ça, hein. C'est de la résine, oui. Donc, si je fais de la résine... Tac, vas-y, fais-moi... Ouais, peut-être pas autant. Peut-être pas autant, je vais pas en avoir besoin de beaucoup. Vas-y, annule. Je fais chauffer ça. Est-ce que 1 m'en fait 1? 1 m'en fait 1. Alors, combien il m'en faut pour faire un câble? Ah bah, ok. Vas-y, je fais 4 câbles. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a absolument pas vu dans le Let's Play Vanilla. Les systèmes logiques, parce que c'est quelque chose que je connais très très peu. En gros, ça nous permet de faire justement, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, des systèmes logiques. C'est de la programmation informatique, en gros, c'est ça qui permet de faire de la redstone sur Minecraft, par exemple. La redstone sur Minecraft, ce sont des systèmes logiques. Donc nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est que ça, ça tourne uniquement lorsque... On va dire... Comment je fais ça? Comment je fais? Lorsque celle-ci est pleine... Non, lorsque celle-ci est pleine... Bon, quoique, en fait, pour le moment, ça sert à rien parce que ça tourne à fond ici. Mais en fait, il faudra qu'on en évacue plus. Déjà, voilà, je voulais déjà en faire en mettre un deuxième ici. Parce que ces machins de flotte... On fera un champ à un endroit pour l'évacuation de l'eau. Mais en fait, l'intérêt ici du système logique, c'est qu'on va pouvoir lui dire « Ok, tu m'évacues de l'eau, mais uniquement quand celui-ci est plein. » Mais je peux pas faire sur celui-ci est plein. Je peux évacuer de l'eau tant que... Ah mais si, c'est bon, je sais, regardez. On va faire ça comme ça. Alors, en gros, comment ça marche? Je prends mon système logique, je le colle là-dessus, et je vais le coller là-dessus. Je peux pas, c'est trop loin. Il me faut un pylône. On va mettre un pylône. Arrête. On va mettre un pylône ici. Alors, ce pylône, il n'y a pas besoin d'être connecté à quoi que ce soit, hein, système électrique ou quoi. Tac, je vais sélectionner celui-ci, celui-ci et ça. Oh, me dis pas que tu peux pas être sélectionné au système logique. Si, non? Ok, alors on va faire autrement. La recherche est terminée, on va s'y orienter juste après. On va faire avec une pompe. On va mettre une pompe. J'avais crafté une pompe. La pompe, elle est où? Elle est où ma pompe? Elle est là. Hop, alors je sais que les pompes peuvent se mettre sur le système logique. Bon, là par contre, il faut que ce soit connecté au courant. Donc on fait comme ça. Et du coup, je vais pouvoir enlever ça. Je vais pouvoir l'enlever et je peux directement faire comme ça. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un petit trait rouge qui s'est mis entre les deux. Et en gros, ce que je vais pouvoir lui dire, c'est à lui, mode de fonctionnement, il s'active uniquement lorsque lui, attendez, hop, lui, connecté au réseau, de lire le contenu. Ok. Lorsque... C'est quoi qu'on a là-dedans? C'est de la purified water. Donc, purified water, c'est celle-ci. Purified water. Uniquement lorsque ceci est plus grand que, on va dire, la moitié, c'est 2500. Donc, on va mettre, j'en sais rien, moi, 1000... Ouais, on va mettre 1000, voilà. Ce qui veut dire que ces trucs-là vont tourner tant que... Ici, c'est au-dessus de 1000. Non, c'est pas vrai. La pompe ici va pomper tant que ce baril-là est au-dessus de 1000. Ce qui veut dire que au moment où on va avoir énormément de consommation de purified water et qu'on n'aura plus assez de purified water pour alimenter, qu'on aura moins, et bien ça va pas nous la void en plus. Et ce système, on va pouvoir le faire sur plein d'autres choses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Parce que là, de la purified water, on en produit à plus savoir qu'en foutre, mais en très 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 grande quantité. Donc on va faire un champ à un endroit qui nous évacue cette flotte, tout simplement. Donc par exemple ici. Ici ça me paraît bien, de l'autre côté. Ici cette zone, je pense qu'on va jamais l'exploiter. Donc on va se crafter. C'est où? Là, on va en faire 12 parce que je peux pas en faire plus pour le moment parce que j'ai pas de briques sur moi. Nous allons faire un immense champ avec des voids d'eau. Hop, hop. Donc, de l'eau. Enfin, des tuyaux. Hop, hop. C'est pas connecté parce que... C'est pas connecté. Pourquoi c'est pas connecté? Ah si, c'est bon. Il n'y a pas l'icône. Ah, parce que j'avais plus alt. Donc, c'est bon. Je vais enlever ces deux pylônes. Et je vais mettre un grand pylône. Comme ça. C'est un grand garçon. Voilà. J'ai plus de grand pylône, d'ailleurs. On va en refaire... Une chier plus un petit A.
Voilà. On va mettre nos voiders. Merde, j'en ai annulé. Je les ai annulés. Merde. Remets. Remets mes voids. Ils sont où? Je sais plus. Là. Voilà. Void. On va faire ça comme ça. Je pense que ça ira très bien. Ce sera déjà un bon début. Tuyau. Comme ça. Je vais pouvoir attendre mes pylônes, évidemment. Évidemment. Ellipse. Donc j'ai mes pylônes, c'est bon. Donc je connecte ça. Là. Là. Voilà. Ici. Et évidemment, je peux pas le mettre là. Est-ce que je vais pouvoir le mettre là? Ah, mais quoique, attendez, j'ai plus de void. Ouais. Comme ça. Et il m'en reste 4. 1, 2. 3, 4. Des tuyaux. Voilà, ça devrait voider. On va voir si, si la pompe pompe suffisamment. Ou s'il faut que je mette une plus grosse pompe. Comme ça. Comme ça. Pourquoi ça connecte pas? Parce que c'est là. Voilà. Est-ce que ça suffit? Non, vous voyez, il me faut une pompe plus grosse. Overflow valve. Only allow flow when pipes is over 80% full. Non return. Ah, j'ai que ça comme pompe. Express pump. Ah, il me faut un moteur électrique, mais je peux pas encore les faire, je crois. Je peux pas encore les faire. Bah, c'est pas grave, on va pouvoir faire autrement. Là, le tuyau, est-ce qu'il est plein de chez... Non, le tuyau, il est vide de chez vide, même. Donc, je vais pouvoir... Je vais crafter 4 autres pompes. Qu'on va pomper ici. Vous voyez que là, ça a déjà pas mal vidé, hein. Ça a déjà pas mal vidé. Pompe. Hop. Bah, j'ai bien fait de crafter les... À la limite, je vais même virer celle-ci. On va mettre 1, 2... 3, 4, parce que j'ai... Il me reste 2 câbles. Ils sont passés où, tous les autres? Et merde! Et merde! Bon, viens ici, hop. Tu vas me chauffer de la résine. J'ai plus de résine? J'ai l'utilisé. Résine... Fais-moi un peu. Voilà, ça suffira. Et chauffe Marcel. Ah, alors les câbles là, ils ont disparu. Je sais pas trop comment. Ah, ça va suffire. Les fils rouges. Alors vous voyez, il y a les fils verts en fait. C'est pour faire différents différents réseaux. Donc là, je déconnecte. On connecte celle-ci à celle-ci. Celle-ci à celle-ci et celle-ci à celle-ci. Ok. Et maintenant, je mets un peu de jus. Évidemment, je peux pas mettre sur les deux. Comme ça, on met un tuyau là. Un tuyau là. Un tuyau ici. Ouais, alors ça fait beaucoup de virages pour pas grand-chose, mais... ça ira comme ça. Tac. Là. Non, pas là. Non, on s'en fout. Et toi, ta condition, c'est... Je vais le faire sur celle-ci. Purified. Purified water is over 1000. It's over 1000. Hop. Et hop. Et comme ça, on vide ces quatre là. Et là, le tuyau, bah, il est pas full. Si, il est... Il se foulifie pas mal, mais tout se tourne. Et là, on va void l'eau à vitesse phénoménale. Comme vous pouvez le voir, on est déjà pas mal plus bas. Et du coup, ça, c'est vachement cool. Ok, bon. Tout ça, c'est bien beau, vous allez me dire. Mais on n'a pas du tout avancé sur ce qu'on devait faire. Et j'ai complètement oublié ce qu'on devait faire. Qu'est-ce qu'on devait faire, déjà? Oui, le gold, le process de avancer pour faire ça. Pour faire du... Gold, silver. Est-ce que j'ai du silver maintenant? Non, j'ai toujours pas le silver. Mais avec ceci passé dans les hydro-trucs hors sorting facility,
Floatation cell. Further, he find crushed ore using flotation. Flottant, donc des trucs flottants. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc il va nous falloir... Ouais, je suis vachement trop loin. Ça veut dire que je pense que je vais devoir refaire ce système à la con, là. Encore. Merde, il aura tenu 4 épisodes. Fuck. Où sont mes briques? Où sont mes... Elles sont là. Hop. Je vais en faire un et on va tester. Hein. On va tester. Découverte. Bim. On va voir comment ça fonctionne. Alors, si je regarde ici, silver or... attendez, je fais comme ça. Ctrl F, silver or. Ça, electrum. Crotinium chunk sorting. Donc le crotinium chunk sorting... Gling. Crotinium chunk sorting se fait à base de crushed crotinium. La crotinium, ça c'est le bomium, ça c'est la rubite. Rubite ma bite. Ah mais voilà, crotinium, c'est celui où j'ai comme un malpropre passé par-dessus avec des tapis en haut à gauche, je crois, non? Attendez, on va embarquer monsieur le train-train. Hop, bonjour monsieur. Chauffe Marcel. On va aller vérifier ça. Alors, je commence à avoir l'habitude, hein, mais j'ai une fois de plus oublié de quand j'ai lancé l'épisode. Après, j'ai regardé l'épisode de hier, il fait 34 minutes. Donc ça va, je pense que vous n'êtes pas trop à plaindre. Je pense. Non? Attendez, c'est comme ça. Là, je tape pas de train. Là, je pars à gauche. Là, je pars à droite. Wow! Oh là, joli jumper. On va essayer de pas taper dans le train de là-bas. Et hop là, ouais, à droite, à droite, à droite, c'est bon. À gauche, puis à droite. Il me semble que c'est ça le crotinium, hein. Petite vérif. Hop. Non, c'est de la givolite, c'est pas du tout ça. Crotinium. Crotinium ore sorting, ça se fait à base de crotinium. De crochet de crotinium, ça on est d'accord. Givolite, infinite givolite, tout ça. On le mine déjà le crotinium? Ça me dit rien. Ça ne me dit rien. Tiens, retourne à London. Ouais, London. Ça ne me dit rien le crotinium. Crotinium or crushing. Ça doit être des minerais blancs. Ah, attendez, est-ce que c'est pas ce que j'ai là en dessous? Non, c'est du bleu, évidemment. C'est du bleu. Bon, bah, on va afficher la map, hein. Ah, mais j'ai du gris, là. Non, donc. Non, ça, c'est de la givolite. Ça, c'est de la styratite. Où est-ce que j'ai des minerais que je n'ai pas vus? Là! Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, en bas, mais c'est méga loin. C'est tout. Je suppute que c'est ça. Bah, écoutez, on va aller rechercher ma voiture. Alors, vous savez quoi? Je vous fais même une ellipse. Voilà, parce que je suis un mec sympa, je fais une ellipse et je vous reprends quand je suis devant ce minerai blanc, que je suis peut-être le crotinium. Bah, je suis un génie, je savais, c'est bien ça. Et l'avantage, alors je crois que je vous en ai pas parlé, mais on l'exploite déjà, il y a des infinites crotinium, des minerais infinis, avec un certain rendement, ça doit être en fait comme le pétrole, ça diminue au fur et à mesure. Et je l'exploite déjà pour le charbon, je crois. Bon, alors, ce qui veut dire que nous sommes à... Perpète sur Feng Shui, je sais pas trop quoi où. Donc il va falloir faire de la défense là, très clairement. Parce que ça va polluer, regardez, les petits spots comme ça de minage, ça pollue comme des porcs. Et là d'ailleurs, on va pas tarder à se faire attaquer avec ça. Et là ça touche, mais là je crois qu'ils sont... Ouais, peut-être juste pas isolés, donc ils vont pouvoir nous attaquer aussi. Mais après ils vont attaquer par en bas ici. Quoique non, ça c'est pas du tout protégé. Bon, et bien du coup, ce qu'il va nous falloir faire les gens, ça va être d'exploiter ce minerai là. Parce que je crois pas qu'on en est plus proche, hein. Il me semble pas qu'on en est plus proche. Il y en a un tout petit ici, qui en soi est pas masse plus proche. Si, quand même, il est plus proche, mais il est tout petit. Il est tout petit. Il y en a un gros là, et il y en a un gros là, et un gros là. Donc je pense qu'on va commencer par celui-ci, et si on en a pas assez, on ira exploiter soit celui-là, soit celui-là. Mais il va falloir bunkeriser un peu tout ce merdier ici. Je pense qu'on va faire un train... qui va s'occuper d'aller faire plein d'arrêts ici, 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 et qui fera des remplissages en munitions, je pense. Eh bien écoutez, c'est parti, alors déjà, déjà, première chose, ça va être de s'occuper d'amener le train ici. Et j'ai pas de miners, est-ce que j'ai de quoi faire des miners sur moi?
J'ai de quoi en faire quelques-uns. Alors on a des électriques Large Area Mining Drill MK2 et des électriques Mining Drill MK2 qui doivent polluer vachement plus, on l'avait vu hein, je crois. Vitesse de minage, la pollution n'est pas écrite là-dessus. Pollution, ah mais merde, attendez, je pense que c'est mauvais bouton. Pollution n'est pas écrite. Bon, bah écoutez, première chose à faire, tirer le train. Tirer le train pour qu'il puisse venir là pour nous ramener le crotinium à la base. Le traitement du crotinium, on va le faire au-dessus ou à côté de où on traite déjà nos minerais un petit peu moins habituels. Là, le crotinium va vraiment avoir une réelle utilité. Ah bah tiens, attendez, on va profiter, on va essayer de se crafter, parce qu'il faut le découvrir. Le Farl module, non c'est pas le Farl module, c'est quoi? FRL Automatic, Automated Rail Layer. On va essayer de faire ça, on va voir ce que c'est, comment ça fonctionne. Alors pour ça, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de mettre nos trains en pause. Donc on va enlever ça. J'ai de quoi alimenter un peu l'essence de mon... avec du bois de ma locomotive. Un train ne peut pas venir à Canterbury, c'est normal. Elle est où? Elle est là, FARL. Donc je grimpe dedans. Ouais, je peux monter dedans. Ok. Carburant. Tiens. Alors, place signal. Place poles, place concrete. Bulldozer, maintenance, Bridgewater. D'accord. Et comment ça marche? Comment ça marche? Non bah là ça tourne, ouais on est d'accord. Si j'enlève ça et que je le fais aller tout droit. Il ne pose pas de rail. Il n'a pas d'inventaire. Activer les robots lors du déplacement. Oui, tiens, si je te mets. Non, je peux pas te poser ça dedans. Je peux pas te poser ça dedans. Ok. Comment ça marche? Place concrète, place pulse. Donc pulse, ça doit être en fait pour une fois qu'on a les rails, ça va poser le reste en fait. Ça va poser les signaux, ça va poser le béton. Mais où est-ce qu'il le pioche son truc? C'est ça que je comprends pas. Start. Front. Desactivated. Out of rails. Bah ouais, mais je te donne les rails si tu veux, mais elles sont où? Comment tu... Ah, est-ce qu'il te faut un wagon? Est-ce qu'il te faut un wagon? Évidemment, j'ai pas de quoi crafter un wagon de marchandises sur moi. Il me manque des plaques de fer. Des plaques de fer, c'est chiant. C'est chiant. Ellipse. J'ai mon wagon de marchandises. On arrive. Eh ouais, mais j'arrête pas de me taper des arbres. Et bientôt, il y aura plus d'arbres sur toute la planète à force que je roule dessus. Hein. Donc j'ai mon wagon de marchandises sur moi. Hop là. Je vais le poser. Paf. Je te donne des rails. Hop. Start. Oh, c'est génial! Oh, c'est tellement génial! En gros, je le pilote là. Je le pilote et si je veux tourner, bah. Et il supprime le bois en plus, mais c'est génial! C'est génial! Ouais, alors c'est pas aussi précis que ce que je voudrais exactement. Mais c'est formidable! Formidable! Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer. Ah, et oui, vu qu'il peut poser les signaux également. Alors je pense que... Attends, si je t'annule un peu, est-ce que tu peux me faire un 2... Ouais. Je vais faire un train de 3 de long. Je suppose qu'il faut que je le mette la même longueur. Et en fait, ça mettait out of rail signals. Donc je pense qu'il va poser les signaux également pour... à la bonne distance, etc. Ça peut être vachement bien. Ça peut être vachement bien. Et il nous tire l'électricité aussi, je crois. Donc on va lui mettre des pylônes. Est-ce que je peux te crafter? Je vais te crafter quelques pylônes comme ça. Et quelques signaux en plus. Voilà. Là, on va se mettre bien. On va se mettre bien. Et en plus, il vire le bois. Alors, j'ai pas vu si on le récupérait ou pas. En soi, ça, on s'en fout, vraiment. Parce que bon, le bois, c'est pas vraiment le problème. Donc je vais juste faire ici proprement, parce que comme j'allais vite, évidemment, comme un sauvage, tête brûlée et tout ça, il a fait nimp. Donc ici on va juste virer ça. Voilà. Comme ceci. Et là on va pouvoir descendre ici. Voilà, là ça me paraît bien ici. Voilà. Qu'est-ce que quoi? Je vais remonter. Je vais remonter avec ça. Tiens, je te file du bois. J'aurais pu prendre du charbon en chemin aussi, c'est pas grave. Alors évidemment, un train, plus on a de... Moins on a de wagons, plus on est léger, plus on va vite. Hein. C'est pour ça que vous me voyez aller aussi vite d'un coup. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça.
on prend le train dans ce sens. On lui met 1, 2, 3 wagons. On lui donne des rails. On lui donne les signaux. On lui donne des pylônes. Je crois que c'est déjà pas mal. Hop. On lui met du bois pour qu'il roule. Donc il place les signaux, les pôles et les concrètes. Le concrète, on s'en fout, c'est le sol, hein. Donc pôle, signals. Ok. Start. Je vais pas essayer d'aller pas trop vite. Can't place rail. Mais c'est normal que tu puisses pas placer de rail, couillon. T'es déjà dessus. Start. C'est quoi cruise? Comme Tom? Can't place rail, je sais. Attendez, je vais aller au bout du coup. On va voir s'il va pouvoir placer rails. Hop. Placed unconnected pole. C'est pas grave. T'as placé un pôle non connecté, je ne t'en veux pas. Alors là, faut que je parte à gauche. Il part à gauche, voilà, parfait. C'est tellement cool. Là, c'est bon. Et là, on fait un demi-tour. Le plus serré possible, s'il te plaît. C'est parfait. Et maintenant, tout droit. Et on remonte. Si ce n'est que... comme un sac à caca. Non, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste. J'ai rien dit. Ah, can't plus rail. T'as plus de rail? Mais si, qu'est-ce que... c'est parce que j'ai fait un back and forth, c'est pour ça? T'es pas content? Ah! Non, c'est parce qu'il y avait un tapis qui traînait. Start. C'est quoi CPS? C'est les trucs qui posent, je suppose. Ah oui, non, par contre, là, tu peux arrêter. Attends, je recule. Voilà, tu peux arrêter de placer les pôles. Parce que les pôles, on les a déjà placés ici en montant, donc ça va. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas revenir sur la gauche un petit peu, voilà. Parfait. Et là, on va se resserrer comme les voies normales. Alors, les voies normales, je vais te poser ça à la main du coup. J'enlève ça, on grenade un coup. Voilà. C'est un... j'avais mis quoi? 2, 3 ou 4? Je crois que c'est 1, 2, 3, bim. Je crois que c'est ça. Donc, maintenant, là, il manque un... il reste des arbres. Voilà. Oh, mais ça va tellement me changer la vie. Hop. Et là, je peux aller méga vite. Enfin, pas trop, parce qu'on va arriver en haut. Ah ouais, si ce n'est que oui. Alors par contre, le problème, c'est que comme j'ai tout fait dans l'autre sens, il a posé les signaux du mauvais côté. Ça, c'est chiant. Tiens, je te ramasse. Je vais les reposer, les signaux. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Tac, j'ai tout récupéré. J'ai pas vu si j'avais récupéré le bois, mais on s'en branle. Tu fais comme ça. Tac, là. Ok. Donc ça c'est bon, et ici, on remonte ici. Excellent. Hop, 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 hop. Attention, popote. Alors c'est pas très pratique comme j'ai fait ça. Parce que là, ouais, du coup, ça risque d'en faire tourner quelques-uns pour rien. Est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. On va mettre un signal ici. Le signal qui est là, il n'est pas utile. Il est utile ici. Le signal qui est là n'est pas utile. Ouais, alors par contre là, ils vont se taper dedans, je pense. Mais hop, hop, hop. Non, c'est bon. Alors lui, il est pas content. Pourquoi il est pas content? Il est pas content parce qu'il n'y en avait plus là. Ok. Donc on va faire comme ça. Hop. On va mettre des signaux de manière random et aléatoire. Hein. Comment ça? Ça veut dire la même chose? Je vous merde, ok? Comme ça. Luna! Comme ça. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça, je remets. Luna! Désolé, le chien qui fait de la merde. J'essaie le regard menaçant parce qu'il est 4h du mat, j'ai pas envie de crier. Ça marche pas vraiment. Bref. Ici, on va avoir donc une gare. Alors, bon, signaux, pour le moment, ici, c'est pas ultra important. Mais on sait qu'on peut l'utiliser, on peut le faire. C'est très bien. C'est très bien. J'enlève ça.
On va nous faire la gare. Ce qu'on va faire ici. Donc petite voie d'évitement ici pour la gare. Et retour sur la voie. Ok. On met les signaux. Les signaux là et là. Et ici. Ici. Il faut que je me crafte une gare. Je ne peux pas évidemment parce que je n'ai plus de fer. Parce que j'ai tout ramassé comme un connard. Bon, c'est pas grave, j'ai une locomotive sur moi, donc je vais embarquer. Elle est où? Elle est là. On fait comme ça. Et bah, je crois que vous avez compris, hein. Je crois que vous avez compris. On va se laisser là, je pense qu'on est à un épisode plutôt long. Si c'est pas le cas, je suis désolé. S'il est trop court, comme d'habitude, hein, je suis vraiment désolé. Du coup, on se laisse là, moi d'ici là, d'ici demain. Je prépare cette gare-là, je prépare le traitement à l'autre bout, et on fera... Bah c'est un nouveau traitement, donc on fera le nouveau traitement ensemble, mais je m'occupe déjà du chargement, déchargement. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dès demain, c'était As2, au revoir.